Les infos de Space News sont présentées le dernier jour de chaque mois à la jonction avec le suivant. Les informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Il y a un mois, j'avais signalé que des préparatifs étaient en cours pour transformer les USA et opter pour un régime socialiste et que les camps FEMA allaient être ouverts. La FEMA, en tant qu'organisation, a été activée sous le contrôle de la Chine qui participe activement à la création du nouvel ordre mondial version 2.0 avec l'aide de George Soros. Les premiers camps ont été ouverts après que la signature d'un traité de reddition et d'abandon de sa souveraineté ait été signée par Washington et la prise en main effectuée par le nouveau gouvernement supramondial. On parle beaucoup de changement climatique à l'échelle mondiale, mais savez-vous de combien de degrés la température a déjà augmenté chez vous, à votre adresse? Souvent perçu comme un phénomène lointain dans l'espace et dans le temps, le changement climatique est en cours et observable partout en France. Il y a des hauts et des bas sur ce graphique, mais on voit nettement une élévation de la courbe des températures depuis 1946. J'ai trouvé une application gratuite en ligne, dont l'URL est en haut à gauche, qui permet d'évaluer l'augmentation de la température directement là où vous habitez. Vous pouvez vous amuser à taper votre adresse pour voir l'évolution de la température depuis 1991. J'ai testé deux villes, l'île la plus au nord, un plat pays où il fait souvent gris et relativement frais, et Perpignan la plus au sud, où les températures sont si élevées en été que les habitants font la sieste à l'ombre entre midi et deux pour laisser passer la vague de chaleur. Voici les résultats. Lille a vu un réchauffement de 1,17 Celsius depuis 1991. Et Perpignan, un réchauffement de 1,39 Celsius. Le 5 mai 2022, la Chine a lancé une fusée Longue Marche 2D pour placer un groupe de 8 satellites dans l'espace. L'un des satellites, Jilin 1, Kuanfu O1C, sera utilisé pour fournir des services commerciaux de données de télédétection pour les ressources terrestres, l'exploration minière et la construction de villes intelligentes. De son côté, Elon Musk de SpaceX développe la livraison aérienne des achats sur l'Internet
grâce à Starlink et le robot à intelligence humaine Optimus. Si ce thème vous intéresse, je vous invite à voir le troisième épisode du dernier documentaire didactique intitulé Transhumanisme et spiritualité pour avoir davantage d'explications. Ces projets rejoignent la mise en place des identités numériques et l'enregistrement, ainsi que l'utilisation des données des 7 milliards de personnes sur Terre qui rejoignent d'énormes bases de données qui ont été déplacées à Shanghai. Les données créent un système neuronal humain mondial géré par intelligence artificielle et les données seront implantées dans la mémoire des robots pour être à la fois plus humains et pouvoir être adaptées à chaque propriétaire plutôt que répondre de manière générique à tout le monde. La prochaine pandémie a commencé à être mise en place. C'est la variole du singe. Il faut donc vous attendre à une seconde grande vague de multiples vaccinations comme pour le Covid et un plus grand pourcentage de personnes vaccinées et surtout enregistrées numériquement. Avec le virus de la variole du singe, les organisations de la santé vont essayer d'imposer de nouvelles quarantaines obligatoires en Europe sous l'impulsion de la Belgique qui veut entrer et avoir sa place dans le monde des identifiants numériques gouvernementaux mondiaux. Les pandémies du Covid et de la variole du singe sont les chevaux de Troie de la future organisation mondiale qui fait d'une pierre de multiples coups. Elles assainissent la population excédentaire et allègent le fardeau de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Elles renforcent l'autorité du gouvernement mondial en soumettant les gouvernements et les souverainetés nationales et elle dissimule par ailleurs les vraies raisons du déclin planétaire social, économique ou spirituel. Entre-temps, un traité international sur la prévention et la préparation aux pandémies a été élaboré par le Conseil de l'Union européenne et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour des négociations en vue d'un accord international sur la prévention, la préparation et la réaction aux pandémies. Un groupe de négociations intergouvernementales chargé de rédiger et de négocier cet instrument international remettra un rapport d'étape dans le but d'adopter l'instrument d'ici 2024. Un tel document serait bien entendu probablement soutenu par des décrets et des lois, comme celle qui a été mise en place à Noël en France, suivie par des pénalités, des rappels à l'ordre, des amendes, des peines de prison ou la radiation des systèmes de santé. Les USA sont déjà en train d'adopter ce traité et vont céder leur autonomie de la santé à l'OMS. La Chine, la Russie, l'Iran et le Brésil
refusent à ce jour de signer ce traité. Par contre, l'Union européenne, dont évidemment la France et les pays de l'OTAN, ainsi que leurs pays satellites, ont signé la couverture complète. Le test de Shanghai est terminé et les pays et régions qui ont signé ce traité sont entrés en mode FEMA. Pour ce qui concerne les tests de Shanghai, voir la vidéo sur le Covid et transhumanisme, épisodes 2 et 3. Selon le président Macron, je cite, « L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire pour bâtir un monde plus sûr pour les générations futures. La France s'est donc engagée aux côtés de l'OMS pour ouvrir une Académie de la Santé à Lyon qui sera la référence mondiale en matière de formation aux enjeux de santé globale. Et la France investira 90 millions dans la construction et l'installation de cette académie. En Chine, où les règles sur le Covid sont beaucoup plus strictes qu'en France, une taxe nationale Covid commence à apparaître. La ville d'Hezhou, par exemple, taxe les habitants 4 yuan par test dans tous les lieux publics tels que les écoles, les supermarchés, les bus, les entreprises et autres lieux publics. Les tests ne durent que 72 heures et ils sont obligatoires. Chaque test est facturé 4 yuan. Et chez nous aussi, les tests avaient commencé à être payants. Un autre aspect qui est également en train de prendre place en Chine est un système de surveillance et d'annonce sur tous les téléphones personnels des personnes qui ne sont pas vaccinées ou des personnes à haut risque, comme ceci est fait pour les pédophiles par exemple. Dans le cadre de la vérification des identités des personnes, notamment celles qui ont de fausses identités ou de multiples identités, certaines jusqu'à 10 ou 12, et qui ont été repérées par l'intelligence artificielle qui gère les bases de données des identités numériques, l'opération Jenner a éclaté le 24 mai 2022 en Espagne et l'escroquerie a été découverte non par le biais d'une enquête locale mais par des efforts de la police visant à freiner l'extrémisme sur le dark web. Parmi ceux qui ont fait l'objet d'une enquête figurent des chanteurs de premier plan, des musiciens, des stars du football, des hommes d'affaires, des politiciens et du personnel médical de haut niveau. Le scandale impliquait l'ajout de ces personnes au registre national de vaccination en échange de sommes d'argent et le coût dépendait de votre statut social. Plus vous étiez important,
plus le prix était élevé. Le dernier inculpé dans cette affaire est le président de PharmaMar, José María Fernández Sousa Faro, une société IBEX 35 et l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques en Espagne. La société se consacre à la recherche de médicaments, notamment le cancer, la maladie d'Alzheimer et aussi, croyez-le ou non, le Covid-19. Le leader du réseau était un infirmier auxiliaire à l'hôpital universitaire de La Paz, où il est accusé d'avoir facturé plus de 200 000 euros pour avoir frauduleusement enregistré 2 200 personnes vaccinées dans le registre national contre le Covid-19. Il a été arrêté et est actuellement en détention. Mais peut-être que le plus gros problème ici est que si un président d'entreprise impliqué dans la recherche de vaccins Covid-19 n'a pas jugé nécessaire ou important de se faire vacciner, doit-on se demander si les vaccinations étaient nécessaires ou sûres? Je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, ni la fin du monde. Néanmoins, comme d'habitude, et de manière très pratique, car j'ai assisté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la désolation, la destruction des habitats, le manque de nourriture. Et je vous assure, n'avoir rien à manger tous les jours, lorsque l'on est enfant, est vraiment difficile. Je vous conseille vivement de vous préparer. Ayez suffisamment d'eau, de vêtements, de protection et une réserve alimentaire en amont des crises pour faire face à tout ce qui pourrait se produire, que ce soit majeur ou mineur. Et si rien ne se produit, ce que nous espérons tous, bien sûr, vous ferez des économies en achetant les produits maintenant, car ils vont continuer à manquer et les prix ne cesseront d'augmenter. Si vous le pouvez, apprenez également à faire pousser vos légumes dans un jardin ou dans des jardinières sur votre balcon. Ne serait-ce que des laitues ou des tomates qui poussent facilement, car ce qui manquera, ce n'est pas les boîtes de conserve que vous pouvez acheter, mais des choses vivantes, donc de la verdure, des fruits, des légumes, etc. N'oubliez pas de pratiquer la méditation. Seul ou avec vos enfants, quand vous le pouvez, matin et soir, pour être en contact profond avec vous-même et demeurer serein et calme face à tous les changements qui sont en train de se produire partout sur la planète. Vous pouvez, comme d'habitude, lister vos questions dans les commentaires de ce post sous l'onglet « Communauté ». Cette présentation est terminée. À très bientôt.
Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.